maman t'a fait maman, pour savoir que papa, beau temps et mauvais temps, il ne partirait pas. Et est-ce que t'en étais sûr, ou si tu ne savais pas, est-ce que les déchirures, ça se prévoit? Comment t'as fait maman, pour trouver le bon gars? Tu l'as connu comment? Tu l'as aimé pourquoi? Et est-ce qu'il avait juste temps dans tout le présent siècle? Et c'est tout que c'est toi qui l'aura avec. Comment t'as pu trouver un homme qui n'a pas peur, qui promet sans trembler, qui aime de tout son cœur? J'ai essayé il y a longtemps, mais pas de la même manière. T'as eu la chance, maman, le plus fort c'est mon père. Comment ça se fait, maman, que dans ma vie à moi, avec autant d'amants, avec autant de choix, j'ai pas encore trouvé un homme comme lui, capable d'être ami, père et mari? Comment t'as fait, maman, pour lui ouvrir ton cœur, sans qu'il porte en courant avec ce que t'as de meilleur? Est-ce qu'il y a de bon magique que t'as dû s'en rendre compte? Explique-moi donc ce qu'il faudrait que je raconte. Comment t'as pu trouver un homme qui n'a pas peur, qui promet sans trembler, qui aime de tout son cœur? Je les ai liés il y a longtemps, mais pas de la même manière. T'as de la chance, maman, le plus fort c'est mon père. Et quand j'ai l'air de les aimer, les hommes changent de regard. Si j'ose m'attacher, ils se mettent à m'en vouloir. Si je parle d'avenir, ils sont déjà loin derrière. J'avais raison de le dire, le plus fort c'est mon père. Vas-tu me dire, maman, comment t'as pu savoir? Dès le commencement, c'était pas un trouillard, qu'il allait pas s'enfuir et qu'il allait tout faire pour que je puisse dire le plus fort c'est mon père. Quel effet que ça t'a fait quand tu l'as rencontré? Est-ce que ça paraissait qu'il allait tant t'aimer? Les hommes bien souvent paraissent extraordinaires. Mais dis-toi bien, maman, le plus fort c'est mon père. Merci.